ES 9 et 12, Lugny, viré, 10 km 380. Ça part ici, voilà. Départ en montée. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être le parcours de la course de côte de Lugny. D'ailleurs, on va passer à un long, long gauche qui est connu, que j'ai déjà vu en vidéo sur les vidéos de Titi 205 Rally. Un passage assez spectaculaire quand c'est des grosses voitures, parce que ça part souvent en tête à queue, ça part souvent en figure. C'est un peu plus haut, je vous dirai lequel c'est. Là, on est un peu plus d'un kilomètre du départ. Et là, il y a une ligne blanche, ça doit être l'arrivée de la course de côte. Très rapide pour l'instant, on va arriver à un carrefour bientôt, ça doit être en bas de la descente vers les maisons là-bas. C'est compliqué à voir ces parties rapides parce qu'autant des fois il y a des trucs à bien, mais comme tout se ressemble et comme ça c'est pas forcément un vendeur quand on passe comme ça la première fois, il y a forcément des trucs auxquels il y a forcément des choses qui nous échappent. Passage de chicane, tac tac tac. Et puis des fois après on voit les vidéos, on va dire ah mince, je pensais que c'était pourri, puis finalement c'est bien. Donc c'est pas difficile, c'est pas facile d'arriver à avoir une bonne vision des choses là-dessus. Ça y est, on arrive au carrefour. J'ai ramassé un piqué en plein milieu de la route tout à l'heure. Avec la pluie, tout est au milieu, piqué, banderole. Il a fallu faire le travail des commissaires avant qu'ils ne soient là. Et en même temps, ils ne seront là que demain. Droite corde. Ça doit faire 4 km qu'on est parti. Comme j'ai pas mon cache-caille qui est tombé en panne, j'ai une petite Fiesta de près. J'ai pas pu mettre le kilomètre à zéro. Croisement gauche, hauteur des maisons, gauche-droite.
près 4 km. Et là, c'est à gauche. Tu peux mettre 4500. Voilà, PK 4500. J'imagine que sa droite vient piquer sur la gauche. Et là, en face. À peu près 5 km. Donc on a fait un petit tour dans le village, on a quitté la grande route et après ce petit passage dans les maisons, on est en train de la reprendre. Et on sort de Péronne. Super rapide. Je baisse un peu le chauffage, je trouve qu'il fait chaud. Pas vous non? Un peu chaud et humide, là c'est pénible. Après avoir été trempé dans la pluie, dans le S6, véritable orage. Allez, un camping-car. Ah. J'étais mauvaise langue, j'ai parlé trop vite. Merci. Ah, ça fait un croisement droite, me semble-t-il. Et oui, on y arrive. Du coup, je sais pas vraiment ce que ça vaut ce croisement. C'est une spéciale qui se fait depuis très longtemps. On arrive à hauteur du hameau de Burgui. Ça fait à peu près 8 km qu'on est parti. Ça doit faire une épingle droite, un passage sur un sommet et on redescend sur l'arrivée. Ça c'est un beau panorama là-haut. Je sais pas s'il n'y a pas un cimetière.
portail et nous y voilà. Épingle droite. 9 km, non, toujours 8, entre 8 et 9. Allez, entre 8 et 9 km. Et là, on attaque selon gauche. Effectivement, il y a bien un cimetière et une chapelle, a priori. Allez, les bottes de paille dans les cordes. C'est plus du rallye, c'est la course de côte maintenant. Bottes de paille, bottes de paille. Ça devient le rallye de la saucisse. Après, je suis pas à la place des organisateurs, je vais pas trop juger parce que c'est eux qui ont les merdes quand il y a des soucis, mais regarde-moi ça, avant ça coupait la corde, c'était magnifique. Putain, tous les passages bouillis, les gars, c'est la grande mode. Ça devient les courses de côte. Alors après, je suis d'accord, c'est pas moi qui gère les merdes quand il y a des accidents, mais putain. Excusez-moi. Et bravo à ceux qui se bougent le cul. Putain, ça c'est une corde de folie ça. Ça c'est une corde de folie. Ah oui. Là oui. Après, il y a le passage de l'arrivée. Et là, l'arrivée au câble. Je crois que je sais où je vais. Et rien que pour ça, je mettrai la vidéo un peu plus tard pour éviter de donner des idées aux autres. Malinx, lynx.